Un ovni qui se dé dématérialise. Dématérialise, est-ce que ça se dit Dematerializes. Est pu avec nous dans le monde physique. A fait comme Marty dans Retour vers le futur, quand il est parti avec son véhicule, avec Doc, et que la plaque du véhicule a fait. Puis qui est tombé par terre avec une ligne de feu. On va voir ça. Oh oui, pas de coupeur ici non plus. Ah, oh, que c'est beau! Que c'est beau à voir! J'ai personne qui a montré ça. Ça, c'est un ovni qui se dématérialise et qui disparaît. Un streak de lumière dans le ciel, pointillé, pop, 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 pop. puis au moment exact, juste avant, euh, tu vois le, le pointe qui se présente au bout de, de cet ovni. On dirait que c'est même fait déplacer là, par un crayon. Là, pop, 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 pop. Et ensuite, disparaît. Et au moment, tu peux ralentir la vidéo. C'est pour ça que je le montre comme ça. Là. Parce que si quelqu'un va essayer de prouver là, que tu vas voir les lignes en même temps que l'objet, c'est impossible. Augmente la lumière. Faites n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire pour être capable de voir si moi, je suis plein de merde. Cette vidéo-là a déjà été checkée. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai pas besoin de vous dire qui qui l'a checkée. Faites vos propres recherches. Essayez de, de, de trouver une autre vidéo comme ceci. À date, moi, je n'en ai pas vu. Et puis ça, c'est pas grave, si t'en trouves, tant mieux. Encore une preuve que ça existe. Se dématérialise et disparaît de dans le monde physique avec un strip de plasma que nous pouvons voir. Puis là, je vous dis, on l'a vu à cause de l'infrarouge. Mais sinon, il n'y a pas personne qui l'aura vu. Moi, je ne l'aurais pas vu non plus. Fait combien de présentement, et même la nuit, jour et nuit, à tout le tour du globe, qui sont en train de faire ça présentement, d'entrer et de partir. Fait que c'est quoi qu'on qu vient de voir? Je ne sais pas exactement, mais honnêtement, c'est un, un ovni qui disparaît. Puis en même temps que l'ovni disparaît, il y a une traînée de lumière. Je ne suis pas épais, là. Je sais que cet ovni-là a crissé son camp. Pour quoi que ce soit la raison que j'ai vu les lumières pointillées quand euh, l'objet est parti, c'est peut-être une erreur qu'ils ont faite. Ou bien qu'ils se foutent de nous autres, tout simplement, puis qu'eux autres se matérialisent, se dématérialisent quand ils veulent. Dématérialise. Regarde, la... euh, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu es dans le monde physique, puis soudainement, tu plus dans le monde physique. Une dématérialisation. Euh, <laughs> J'ai de, bizarre... de la bizarre à dire. Je vais arrêter là, de le dire, tiens. Ça, mes français, mes amis français, c'est un anglais qui vous a montré ça. Fait que. Peu importe, c'est l'explication que vous avez eue avec des ovnis qui quittent le sol de la Lune, mais à part de ça, un autre gros problème, j'ai décidé, je vais remettre ça dans la vidéo en plus pour faire chier les trolls, puis en réalité pour écœurer le gouvernement. Il y a une guerre sur la Lune, n'est pas juste une guerre, une guerre où ce qu'on tire. Ça me fait penser à les guerres que nous avons ici sur Terre. Sur Terre, quand on a une guerre, on, on se promène en avion. Hein, on a envoyé des, euh, des choses balistiques, des fusées, des. Euh... <laughs> Écoute, c'est comme pas mal évident. Puis il y a beaucoup de personnes, c'est surprenant, beaucoup de personnes qui m'ont dit Bruce, c'est pas parce que tu vois un OVNI sortir d'un cratère, puis qui pogne en feu, puis qu'il y a des projectiles de lumière qui se promènent, que c'est vraiment une guerre. C'est comme arrête, tu me fais peur. Là. Non, c'est sûr, as raison en plus. Mais prendre le temps de le dire, ça, et boy, ça me surprend. Que le monde pense que ça, <laughs> c'est pas quelque chose qui pourrait être dangereux. 3, 4, 5, 6 000 de large qu'on voit cette lumière-là. avec le feu, hein, l'intensité de feu, tout le tour en plus. Fait qu'il y a une coupe de vous, entre vous, que vous avez déjà vu ces scènes-là. C'est mes petites scènes que j'adore montrer. Qu'il euh, mouille d'or ou. Euh, non, ça n'a pas rapport avec la, la pluie. Ça, il faut que ça soit vu par le monde Entier. Puis je vais continuer et continuer et continuer à leur remontrer et à en montrer d'autres aussi en même temps. Et les amis, si vous appréciez les vidéos, j'en suis sûr que oui, continuez à revenir, continuez à, à me montrer que vous avez un intérêt en donner un pouce par. En haut, euh, je préfère par en haut. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de donner un pouce par en haut. Hein. Si t'aimes pas les vidéos, ben c'est ça, tu donnes un pouce par en bas. Mais même les ceux qui donnent les pouces par en bas, si tu as honnêtement, authentiquement venu ici sur ma chaîne pour voir si c'était réel puis si tu pouvais le croire ou voir euh, une vérité dans mes recherches, mais ben, tant mieux. Puis si vous euh, pensez que c'est faux, je respecte vos opinions. Merci la gang